Combien de fois vous voyez le téléphone déjà? Peut-être malais ça cap arriver ou, mais arriver un proche. Et il y a un peu de monde qui a suivi la vidéo ça là, vous voyez le téléphone déjà. Parfois c'est pendant vous campez un côté ou bien à marcher, vous voyez le téléphone dans la poche ou bien dans la valise. Parfois c'est pendant vous non foule, vous voyez le téléphone dans la poche ou pour un téléphone. Eh bien je dis à moi de vous montrer comment vous êtes capable de mettre l'alarme sur le téléphone pour n'importe qui qui touche le téléphone ça, l'alarme va sonner automatiquement. Bienvenue sur channel YMJ Pods là. Là nous partager actus, formation et information. Ba vidéo un like si vous aimez idée vidéo. Abonnez à channel là pour capable joindre plus vidéo comme ça. Pour activer l'alarme sur téléphone nous, mais ça va faire. Ou va monter sur Play Store. Ou va télécharger une application qui est ne touche pas à mon téléphone. Mais les mêmes applications. Ou ap installe li et puis ou ap ouvri li. Don't touch my phone. Moi même mwen te gitan télécharger li, mwen te gitan paramétrer li ban ni comme ça. Ou même ou poko paramétrer par là, ça veut dire ou poko mettre code PIN nan. Donc qui sont pour le faire ou pour le paramétrer. Pour faire ça, ou ap prend téléphone nan, ou ap clique sous paramètres. Là, on met toute option yo. Ou capable mettre un code PIN. Ou capable prendre empreinte digitale. Gagne option de connexion chargeur tout. Donc, ou choisit ça qui fait au plaisir là. Si c'est code PIN nan, ou plus remet ou capable prendre code PIN nan. Si c'est empreinte digitale là tout, ou capable prendre empreinte digitale là. C'est juste pour les alarmes nan ap sonner pour capable arrêter alarme nan. Ou capable prendre une alarme personnalisée, ça veut dire capable choisir un son spécial pour ça. Là que alarme n'a sonné, c'est son en cap monté. Et là ça va connait si un monde qui prend un téléphone ou sans autorisation. Qu'on y a là va cliquer sur démarrer. Voilà, qu'on y a là alarme n'a activé. N'importe qui qui touche là, l'app sonne automatiquement. On suit. Même si le téléphone est sous silence, l'alarme a toujours monté. L'app sonne normalement. Pour arrêter, c'est vous-même pour qui arrêter. Vous cliquez sur arrêter et puis vous rentrez le code où vous mettez les autres paramètres là. C'est seulement le code ça qui est capable d'arrêter l'alarme. Voilà, il campe automatiquement.